Bonjour tout le monde, yépa. Alors aujourd'hui j'ai eu envie de traiter un sujet que les mamans se posent souvent et en pratique. Est-ce que je dois sortir mon bébé du sommeil pour le nourrir quand celui-ci en fait il dort profondément? Alors à ça je dirais qu'il n'y a pas de réponse formelle. J'ai vu sur les forums en fait que c'était un gros jeu de discussion. En fait il faut vous adapter au cycle de votre bébé. Tout simplement. Et le fait de ramener bébé à la maison après l'accouchement, eh bien, ça vous donne, vous allez avoir une petite période de transition où en fait vous allez apprendre à connaître les cycles de votre enfant et apprendre à vous connaître. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez déterminer si le sommeil est indispensable à votre enfant ou si plutôt l'alimentation lui est indispensable. Et après, il y a des bébés qui vont se comporter un peu différemment si on les sort du sommeil également. Donc, comme quand votre enfant est dans le sommeil profond, c'est le sommeil réparateur, c'est celui avec lequel il va synthétiser des cellules, et les cellules qui vont lui permettre de grandir. Donc, c'est un sommeil qui est quand même important pour aussi son bon développement, on va dire, physique et psychologique. Voilà, j'espère que ce petit podcast vous aura plu et vous aura peut-être un peu rassuré sur comment il faut faire. Et je crois que je dois vous laisser. Au revoir tout le monde, n'y est pas!